Ouais, salut mes birds, c'est Parano, on se retrouve pour ce second épisode sur Wolfenstein The New Order. Et vous avez toujours ces petits chacals qui m'attendent pour que je saute depuis tout à l'heure, mais je n'ai pas envie. Ok, tu veux que je prenne de l'élan? Je vais jusqu'au fond du truc, c'est bon là, jusqu'à là. Donc j'espère que vous allez bien, moi ça va, pépère, on est là, comme ça on s'amuse, on est sur la dernière dinguerie de Bethesda quoi. C'est édité par Bethesda, c'est pas développé par Bethesda, mais ça reste quand même édité par ces fameux mecs qui ont fait les Skyrim et les Oblivion. Donc on est là, c'est toujours en mode boucherie. Je te tire. J'ai les pieds cassés. Où est-ce qu'on est? Oh putain, ça commence plutôt mal. Ou bien. Oh, y a des cendres en dessous. Y a un paquet de cendres. Hey Wyatt, essayez d'ouvrir cette porte pendant ce temps-là. Vite! Putain, c'est vraiment crasseux. Donc, je vous l'avais dit dans le premier épisode que ça allait vraiment être hard. Et là, c'est vraiment hard. Oh putain, il va nous faire cramer ce con. Vas-y, fais quelque chose, bordel. On est foutu. Désolé, je suis vraiment désolé. Ah, t'es désolé. On va brûler, frère. Oh là là. Comme d'hab, ça va être dans le dernier tiroir. Qu'est-ce que j'avais dit? Oh putain! Viens, milady! Allez, cours! Ah, tu peux pas! Mais toi, t'attends, toi! Qu'est-ce que c'est que ça? Blaskovic! Hé! Vous avez dit ça? Comment ouvrir la porte? J'ai vraiment pas envie de moisir ici. On peut pas l'ouvrir de ce côté! Attendez! Je crois que j'entendais pas, quelqu'un arrive! Oh. C'est pas vrai, c'est lui! C'est le boucher! Qu'est-ce qui se passe? Arrêtez! Je crois que toi, on va s'en sortir! Gardez votre sang froid, c'est la guerre. J'en meurs. Mes hommes morts au combat. Tellement d'hommes. J'ai perdu le compte. C'est une langue morte maintenant. Vous? Vous me dites quelque chose? Vous me plaisez. Vous êtes un spécimen Cortez. Je pourrais faire de vous un soldat formidable. Ah.
J'aime beaucoup ses yeux, à celui-là. Ne touchez pas, enfoiré! Par les siens! Ils sont déjà abîmés! Quel dommage! Capitaine Blazkowicz, aidez-moi à choisir. À votre avis, dites-moi, lequel de ces deux-là profitera le plus à mes recherches? J'ai peu de place pour prélever des échantillons. Si vous refusez de répondre, je vais devoir les opérer l'un après l'autre, et nous y passerons la journée. Allez, un petit effort. C'est ça. Vous n'avez qu'à regarder en direction de ce que vous voulez que je dise. Allez, capitaine, choisissez pour moi. Vraiment, celui-ci. J'aurais plutôt choisi l'autre, mais je m'en remets à votre jugement, capitaine. Blazkowicz. T'en fais pas, Blazko. C'est la guerre. Les gens meurent. Mon heure est venue. Le général Strass. Aujourd'hui, il m'a appris quelque chose. J'ai vu la souffrance, la mort, mutilation et torture. Je croyais avoir tout vu, mais je ne connaissais pas la vraie cruauté. Jusqu'à maintenant. Compte jusqu'à 4. Inspire. Compte jusqu'à 4. Expire. Donc la fameuse décision que je vous disais tout à l'heure, c'était celle-ci. Et donc voilà la décision que j'ai prise de faire, de tuer la personne du côté droit. Donc si vous n'avez pas vu le premier épisode, je vous inviterai à regarder le premier épisode. C'est vrai que ça commence très lourd, c'est la violence là à l'état pur. Donc il fallait que je fasse un choix. J'ai fait celui de droit et X a fait celui de gauche, donc je vous inviterai à regarder l'autre version. Oh merde, on y va!
wciąż nie znamy jego tożsamości? Przez 9 tygodni nikt go nie szukał? Nikt, panie doktorze, nie. Nie mogę usunąć odłamka. Tylko pogorszyłbym jego stan. Tak, panie doktorze. W takim razie trafi do zakładu psychiatrycznego. Nic nie możemy zrobić. Mózg jest uszkodzony. Tak. Ma jajecznicę z mózgu. Tak, panie doktorze. Jajecznica. Obudził się. Skąd wiesz? Zaufaj mi, mamo. Po prostu wiem. Kochanie, twoja córka ma tajemnicze siły. Moja córka, ja tylko dałem tajemne schody. Tato! Przy oknie, w świetle. Une sensation étrange, piégée dans mon propre corps. Je m'évanouis, je perds du temps. Parfois, on change de saison en un clin d'œil. J'ai du mal à réfléchir. Mes pensées se dispersent comme une odeur qui s'envole au vent. Mais je fais des progrès, voilà ce que je sais. Je suis en Pologne. Un hôpital. Non, un asile. C'est l'infirmière en chef. Ça, c'est son père, le psy. Sa mère, une sorte de pharmacienne. Il dirige le centre. Parfois, il fête Noël ou des anniversaires. Parfois, des nazis viennent. Ils repartent avec des patients menottés. Le général Strasse se sert à volonté. Le psy fait des scènes, mais il finit toujours par signer. Pas le choix, j'imagine. J'assiste à tout ça, à l'impuissance de ces braves gens. Je suis en vie grâce à eux. Je me rétablis grâce à elle. Elle s'appelle Anya. Elle prend soin de moi. Elle veille sur tout le monde. C'est elle qui fait tourner le centre. Elle aurait dû être mariée, mais la vie en a voulu autrement. Wir schließen diese Einrichtung. Ihre Dienste werden nicht länger benötigt. Na, kein Grund, mühselig zu werden, Doktor. Sie haben zufriedenstellende Arbeit geleistet. Weitermachen. Unser Befehl lautet nicht, die Betreuer zu töten. Was machen wir mit der hier? Keine Ahnung. Bring sie in den Keller. Soll der entscheiden? Komm mal raus! Pistolet 1960, donc on est resté de... Ça ne devrait mourir comme ça. Une dinguerie, franchement, la violence ce jeu, c'est un truc de fou, quoi. Donc on est resté en légume, en mode légume, de 46 à 60,
dans les années 60, vous avez vu que déjà Luger a changé. Donc pas mal de choses ont changé. Nous sommes en Pologne, dans un hôpital, dans un asile psychiatrique. Là, ça part vraiment en cacahuète. Ok, fusil d'assaut. Dès que j'arrive, elle est... Bon, elle est tranquille. Silencieuse. Pas not silencieuse. Wow, wow, j'allais dire des rollbacks. Je fais des trucs chelous là. On va y aller en douceur. Est-ce qu'il fait revient ou... Oui, il revient. Donc je présume qu'il va falloir que je m'échappe. Si je me souviens bien. On va essayer de l'avoir au couteau de lancer. Bon, double gun. C'est bon ça. Donc plus qu'un couteau. Voilà, il va falloir faire gaffe. La musique elle est stressante et tout quoi, l'ambiance grave stylée, putain ils les ont tous défoncés quoi. J'suis dernier sur la liste là, c'est ça. Vous avez bien compris, hein, je scrute tous les recoins tout de la map là, je vais pas faire le con. Alors, c'est ces nouveaux systèmes de piratage. Amélioration d'armure, c'est bon ça. Je suis déjà full quelque part. J'aimerais bien des munitions moi. J'ai entendu un bruit. Oups. C'est quoi ça? Oh oui. Hein? Pourquoi? Pourquoi je... Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, Oh putain! Tant mieux, il faut que je fasse des trucs moi. Merde, je l'ai pas tué. Je fais mes défis moi en même temps. Ah, j'arrive pas à le buter. Salaud. Excusez-moi. Je fais mes défis comme si j'étais sur Call of Duty, genre en mode... Il est où? En même temps, c'est super chaud de tirer en même temps que tu glisses. J'essaie de voir à l'avance où ils sont. D'accord. Wow, baisse, c'est bon, tu m'as gonflé. Oups, je crois que t'as perdu. Vas-y, tu es des gens qui peuvent même pas se défendre. Montrez-moi combien j'ai fait. 39 sur 40 et victime en glissade 2 sur 3. Oh le bâtard. Ok,
la musique s'accélère là. Donc, point d'entrée, la sortie était là-bas. Du moins, je présume que c'est par là. Alors, en haut, il va y avoir peut-être des trucs à découvrir. Yes, fragment de code. Je savais que t'allais me voir, toi, enfoiré. Ok. Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. Dégaine rapide, j'ai tout eu d'un coup là. J'ai tout eu d'un coup, j'ai fait le headshot et la glissade d'un coup. C'est bon ça. Vas-y, c'est parti, un petit peu en mode bourrin là. Ça change. Bon, je tiens à signaler que le mec il vient quand même de sortir de je sais pas combien d'années du mode légume là. D'un coup il arrive double gun, normal il court, il glisse, il saute. Normal mec, je suis bisco, ok. Donc j'ai pas mal enchaîné de choses là, il faudrait que je fasse quoi encore? Lancer de couteau. Ok, je sais pas comment je l'ai raté lui. Il a tourné la tête juste quand j'ai cliqué sur le truc. Okay. J'ai pas mal de petites baisses de framerate hein. Double gun, pourquoi pas. Ah d'accord, en fait je commence à être léger dans tout en fait. Va falloir que je me calme. Ouais, il faut que je me calme là. Ok. Petit massacre. Bon, récupérons tout ce qu'on a récupéré, cassons-nous d'ici. Donc quand je vous ai dit que c'était la violence ce jeu quoi. Passons par ici, je vais juste recharger. Ok, du coup je passe à quoi maintenant? Là je suis toujours sur victime furtive au lancer de couteau, d'accord. Ah quelle dinde, c'était victime furtive. Accroît la quantité des munitions récupérées sur les ennemis tués, d'accord. Faire 3 victimes consécutives en utilisant des fusils d'assaut. D'accord. Sans lâcher la gâchette, ok. Donc les grenades c'est encore un petit peu dur là. Accroît le tir. Au pistolet, d'accord, 3 sur 15, débloqué tout, d'accord. Ok, c'est vrai que je joue pas souvent au pistolet. Ah, d'accord, donc ça sert à rien. Une balle quoi. Eh ben non, ça a raté. J'ai pris des munitions, est-ce que c'est pour le flingue ou pas? Pas du tout. Distance comme ça je me méfie un peu. Il était devant moi, je l'ai même pas vu. What?
savez quoi? Ça va être réglé avec ça. 2-2-5-5, je pense. Faut que je fasse des victimes ou. Allez, tire, tire, tire. C'est quoi ce bordel? Bande d'enfoirés. Je vais te sortir de là. Żołnierzem? Umiesz walczyć? Kim jesteś? Jestem William J. Blaskowicz. Ranger Army. USA. USA. Je m'excuse, je parle pas bien polonais. Vous êtes en état de conduire? Pour aller où? Peu importe. Ils pleurent la mort de leurs proches. Je ne peux pas partager leur douleur. Trop poignante. La mienne inonderait les océans. Elle me noierait si je la libérais. On est en 60. 1960 ? Oui. Oui. Vous avez passé 14 ans au centre. On est en 60. Il va falloir que je contacte l'armée américaine. Il faut que mon unité sache que je suis toujours en vie. Il n'y a plus de guerre. C'est fini. Il n'y a plus d'armée ici, non? Ça peut pas être fini, ça grouille encore de nazis dans le coin. Ils ont gagné. Tout est fini. Les nazis dirigent le monde maintenant. Ils sont partout dans le pays. Partout. Et les Américains dans tout ça? Les États-Unis, ils... Comment on dit? For the Dutch? Capitulé, ils ont... Ils se sont rendus. Oui, à cause de... Boum! À cause de la bombe atomique. Ils se sont rendus il y a 12 ans maintenant, après les bombardements nazis sur leur pays. Oui. Je vais chercher la résistance, je la trouverai et je me joindrai au combat. Oh non, 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 il n'y a plus de résistance. Tous les membres ont été capturés. Les survivants, les nazis, les ont enfermés. Et où ils les gardent tout ça, on ne le sait pas. Oh.
Je suis un commandant entraîné et expérimenté qui travaille sous les ordres du général Strasse en personne. Est-ce que vous savez quel sort vous attend si vous ne me libérez pas? Ça ne sert à rien de me retenir ici. Je me montrerai clément envers vous, l'infirmière et sa famille, si vous me laissez partir immédiatement. Vous avez ma parole. Ta parole. Savez-vous qui je suis exactement? Vous avez tout intérêt à vous arrêter tout de suite et à me libérer. Ouais, je vais te libérer, je vais te libérer. Laisse-moi deux petites secondes. Cinglé, mettez-vous ça dans le crâne, je fais partie d'une race supérieure. Warum hörst du nicht, du Schwachkopf? D'accord. Du bist ein gottverdammter Herrenanstaltsinsasse! On va s'amuser, toi et moi. Je vais vous dire ce qu'on va faire. Je vais vous poser une question. Et vous, vous allez me donner une réponse satisfaisante. Et si jamais elle ne me convient pas, je vais me servir de cet engin pour vous décapiter, c'est compris? Bien, on commence. Où maintenez-vous prisonniers les résistants que vous avez capturés? Navré, je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Il n'y a pas de résistance. Zur Hölle mit dir und deinem verdammten Widerstand! Qu'est-ce que vous voulez? Où sont les combattants de la résistance? Berlin, la prison d'Eisenwald. Mais vous n'y arriverez jamais. Il y a des barrages partout. On vous recherche. On vous recherche tous les deux. Ils vous trouveront bientôt ici. Et ils vous mettront à genoux! No, gotowy, gotowy. Jesteś przystojny chłop, panie Błaskowicz. Nie taki przystojny jak ja, ale nieźle, nieźle. Pilnuj jej. Rozumiemy się? Albo ja cię znajdę i zrobię ci krzywdę. Rozumiem. Więc wybieramy się do Berlina. Accorde-nous ta miséricorde, Seigneur. Donne-nous la force de traverser ces eaux obscures. Étouffe le bruit de nos pas et de nos souffles. Protège-nous de la tempête. Protège-nous de ces loups affamés. Alarme! Headshot! Prenez ma main. La route est dangereuse. Vous tuez les nazis. Prenez, je reste à la voiture. On vous attend ici. Tuez tout le monde. Énervé, il est énervé le papy. Il lui a mis un headshot. Père, mes amis, enfoiré de nazis. On transporte une cargaison précieuse, on a un train à prendre. Énervé. Allez, tuez les nazis. Ok, t'inquiète, j'ai tué les nazis, papy. Wesh, moi en tout cas, je pense qu'on va s'arrêter ici. C'est vrai que le premier épisode a duré pas mal de temps. Je pense que je vais faire des épisodes entre 30 et 45 minutes.
Je vais pas non plus faire des épisodes de 1 heure à chaque fois. Je pense à toutes les personnes qui n'ont pas le temps de regarder tous les épisodes et tout ça, d'une certaine longueur, on va dire, entre guillemets. Donc je vais couper celui-ci. Je pense que c'est le bon moment pour le couper. Donc merci d'avoir regardé ce second épisode, on apprend un peu plus. Donc on est resté 14 ans dans un asile de psychopathes. Puis voilà, pour se retrouver que, ben en fait, c'est les nazis qui ont gagné la guerre. C'est un truc de malade ce jeu, c'est vraiment un truc de dingue. Donc moi je vous remercie encore d'avoir regardé cet épisode et je vous dis à très très bientôt sur la Noxus Téporano. Allez, peace.